Bonjour à tous, ici Goomba 80. On se retrouve sur PlayStation 3 sur Dynasty Warriors 7 à Mussou, à bon défouloir. Allez, on éteint ça. Désolé, un peu en verre pour ceux qui connaissent Daniel le Russe. Ben voilà, un peu dans les coups du Russe. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on est bien installé, on est bien. Alors, continuer mode histoire, tutoriel, options. Tout de suite, on va dans les options. Bon, le son, voilà, on baisse. Je pense que l'eau. Ouais, allez, on va laisser là. On va vérifier, c'est bon. Allez, on va laisser podcast son affichage. On peut le mettre en 3D, oui, ou les 3D, hein, pour ce qu'on a. Sauvegarder le truc au cas où. Voilà, je peux faire le film maintenant. Si on prépare la vidéo où on n'entend pas le Goomba, ça ne sert à rien. Allez, c'est reparti. Là. Sur ce que vous avez le mode qu'on fait continuer. Mode histoire. On prend le qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire un petit mode conquête. Et vois, voilà, c'est le tour, on va voir si on peut le mettre, on va continuer. Ah, peut-être que ça compte alors. Non, ça c'est une autre histoire. Ouais, il y a un moment que j'ai pas avoué, j'ai avoué quand même, c'est pas mis, hein. Ouais, on va mettre tout, tant pis. Tant pis. Bon. Qu'est-ce qu'on va se faire? Les armes, le mini, un peu, c'est une arme rare. Et récupérer l'arme, choisir officier, sélection personnage. Et le prêteur, bah, c'est impeccable, c'est lui que je voulais prendre. Donc, c'est impeccable. Ding Feng. Et voilà, on fait là, c'est le premier niveau. Bah, allez, on va essayer de faire en normal. De toute façon, souvent, je suis un peu fait donc c'est parti pour un petit moment de défoulement. Là je viens de tourner la vidéo numéro 7 de l'épopée de Jeu de Foire. Je suis bien chaud, hein, pour ceux qui ont regardé la vidéo, ou après je mettrai le lien en haut à droite. Je vous invite à regarder l'épopée God of War, après notamment l'épisode 7. Oula, le Goomba, il est chaud patate, il défouraille. Et c'est parti, on va défourailler aussi. Donc, un principe de l'ensuite. On déglingue des vagues d'ennemis à l'appel. Tac, allez, tac, hop, c'est parti. Tac. Allez, boum, boum, bam. Alors, hop. On est sur la petite carte, on a mis la petite flèche, le point rouge, hop, c'est un capitaine. Chac, et vas-y, blam. Allez, c'est la fiesta, boum boum, allez, on défouraille, tac, et boum. Alors, on a changé d'arme, allez, clac, boum, chac. Et on défouraille, on continue. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait, je vais faire un peu courser, tu perds, je vais te casser en deux, tu vas voir, je vais te briser comme une moua, tac. Tac, allez, boum. Alors, je vais peut-être me le répéter, hein, mais ça, c'est le genre de jeu, de temps en temps, j'aime bien y jouer. Ça fait toujours, et boum, tac, c'est déjà mort, mais bon, c'est pas grave. Hop, et bon, tac, allez, on continue. On est chaud, 53 KO.
On va à droite hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je bombe! Ouais, aussi, je vais répéter, pour moi, c'est le genre de jeu que tout le monde devrait avoir au moins un jeu. Je sais qu'après, il y en a, ils ont apprécié Hyrule Warriors, qui est très bon, faut l'avouer. Après, ma grande déception sur Switch, c'est qu'ils n'ont pas mis les produits, même si moi, j'aurais pu sans hésiter. C'est toujours un plaisir de jouer à ce genre de jeu. Après, j'invite ceux qui n'ont jamais joué à l'issue, moi d'essayer au moins une fois. Et sur les Zelda, si vous êtes fan de la licence, ça vaut vraiment le coup d'essayer, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Foyer, c'est parti! Splash, splash! Oh! Allez, viens au flamme! Ce mec-là, il me fait penser à Rogue dans Street Fighter, au boxeur. C'est toujours là. Allez, foyer, tac, 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 allez, tac, tac, allez, boum! Allez, prends ton envol. Et c'est parti. Chouchac! Et voilà, ils sont défouraillés, les petits, boum, galop. Tac, 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 hop, on enchaîne, hop, ne tire pas, tac, 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 allez. Chouchac. Un petit peu de life, un petit peu de vie. Hop, et voilà la petite jauge qui a remonté. Clac, 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 allez. Clac, clac. Et clac. On va enchaîner, on remet les points en haut. Tac, 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 tac. Allez, on enchaîne Bobby, vas-y. Mais on va tourner des foyers là, de toute façon, il est quasi. Et merde, c'est le fail, il est quasi. Ah bah alors, bien là. Hop, maintenant je change d'arme, hein. Ça fait un peu son. Hein. Tac, tac, allez, boum, KO, hop, un petit item, défense en plus. On va lui barrer. Hop, sans chercher compliqué, clac. Et voilà, son arme de vie qui n'a pas volé en éclat, mais bon. Il a quand même eu des dégâts. Allez, on continue. T'as pas le droit de te relever, ma coco. Lolo. Boum. Caméra qui se protège, coco. Et voilà. L'item. Allez, boum, boum. Tac, c'est bon. Tac. On va un peu de kiff avec la vie. Continue! Tac! Voilà, on se retrouve sur le 7. Il y a 9 qui est sorti sur PlayStation. Apparemment, c'est une grosse démo. Et après, notre expert, on va dire en Mussu. Il y a beaucoup de youtubeurs qui aiment bien ce genre de jeu. Moi, je pense à DB300 qui aime Nickelodeon, qui est en gros, hein, qui est la grosse dope pour le film, est-ce que voilà, genre c'est 9, et même là je devais prendre le Warriors Orochi 4, que je devais prendre évidemment sur la Switch. Ouais, peut-être que j'en raconte, hein, n'hésitez pas à me dire, vous allez voir dans les prochaines vidéos, une PS4 8 ou non. Je favorise, on va dire, les jeux sur la Switch. Par rapport au fait que forcément mon temps est doublé. Je peux faire partout avec, en haut, en bas, ça partout. C'est vraiment le truc qui fait que je vais prendre plus certains jeux sur la Switch que sur la
sur notre conscience. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Hop, t'enchaînes mon gars, t'enchaînes. Ah, ouh là là, tu l'as pas vu arriver, celle-là. Tu ne l'as pas vu arriver. Et schlac. Ça va, mais. Ah non, il est. Ouh, c'était les poignets, la vie, un petit peu de life, oh, un petit peu, il y en a pas beaucoup. Ah, il y en a là, tac, bon, un petit patate, tac, on a perdu, putain, j'ai déjà perdu les trois quarts de ma vie, c'est chouette, chouette, et boum. Hop, allez, là, on y va, on y croit, schlac. Ouais. Bon, 300 ennemis, mais bon, c'est. On change d'arme, allez, schlac. On enchaîne, on continue, allez, bon, et. Schlac. Alors, il reste bon, la quête est finie. Pas grand chose, c'est pas comment dire le système d'environnement warrior, celui-là vraiment ça sert pour améliorer son perso. C'est le cercle de sorcier, et voilà, c'est fini. On va se faire celle-ci en normal toujours. On va refaire une grande vidéo à ce juste comme ça vous voyez un peu ce que c'est qui me suit. Après encore une fois je vous invite à aller en tester au moins un en réduit, ça c'est pas grand chose, un petit team solo, team solo famille, un petit dynasty warrior, soit warrior sur Oshia, some samurai ou samurai warriors, j'aime bien aussi, j'avais pas mal joué le samurai warriors 3 sur Wii, je sais que sur PlayStation 4 sur l'autre. Qui est d'ailleurs aussi sur Switch, mais le Samurai Lado, il est sur Switch, mais en version Jap, évidemment. Ça, c'est toujours le truc qui est dommage, c'est qu'il y a énormément, on dit toujours qu'il y a beaucoup de jeux sur PS4, mais ils y sont aussi sur la Switch, mais le problème, voilà, c'est version Jap, ils sont pas forcément sous-titrés en anglais ou disponibles en français, quoi. Ça, c'est. Et sauf pour ma copain, c'est ça qui est dommage. Hop. Copain, tac. Tac. Allez, on continue. Ouh, t'as vu que tu as dit de donner sur de l'eau, 20 bottes, c'est un homme. Tac. Et voilà, KO. Hop. Ah, c'était le pire. La dernière fois que j'ai retourné, je l'ai appelé pendant une paire de jours. On va dire. Oh merci. C'est flop et ballon. Ouais, c'est sûr, hein, c'est le genre de jeu répétitif. Ça me défoule quand même. Moi, ça me défoule pas mal le jeu de défoire. Quand tu sens la puissance du perso. Des fois, et de la Steve Warrior, c'est exactement pareil. Tu sens la puissance, des fois, et comme dans la vie. Sauf que là, bah, c'est des bases d'ennemis
Après, c'est sûr, les graphismes, voilà, c'est pas ça, mais bon, c'est comme un. On va dire que c'est un peu comme un Monster Hunter. Comme un, pardon, comme un Monster Hunter, les graphismes sont pas ouf, à part le World, mais bon, il n'y a pas trop de contenu dans le World. Mais bah voilà, quoi, c'est. Genre, il faut pas s'attarder sur le graphisme. Des fois, c'est le gameplay, la profondeur du jeu qui fait la chose. Allez, hop, 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 là, et voilà, t'as pas le temps d'en descendre. Là, rien de venir là, Coco. Qu'est-ce que vous faites, Coco? J'espère que c'était comme un pouvoir l'eau. Allez, on continue. On défouraille. Là. Bien passé. Allez, hop, on va prendre ton envol. Tac, hop, allez, hop, envole-toi, envole-toi. Allez, hop, on prend une bonne dose là. C'est pas du tout à peine volé. Il y a le peuple, il y a le peuple! On s'est fait démonter la planche! Donc toi t'es mort. Tu résistes, mais tu ne vas pas résister longtemps à ma puissance. Gagner la 375, c'est trop énorme, c'est trop fou là. C'est blague. Par exemple, dans Zelda, il y a trois quarts du temps, il y a un petit peu de life dans les. Ouah, wow, puis c'est lui là, c'est. Je crois que le gars, chaud pas du temps aussi. Je crois qu'il n'y a pas de tout. Je crois que, ben, de toute façon, c'était un coup minimum et c'était la défaite. On va changer d'officier. Ça va chier. Bah c'est pas lui que je prends en temps normal. J'aime bien le prendre. Donc, si j'aime bien. Joli, hein? Joli, madame. Et madame, ça, on paye le gros bac bleu. Oui, il dégagne tout. Là, vous allez voir. Ils vont faire un petit vol planer, les mecs. Ils vont rien. On va voir. Rien de tout. Comme on attend les rendus.
des petites rappelles de cette vallée du Grand Massif. Bon. Là, vous allez voir. Déjà, lui, il a deux barres de vie. Allez, on descend. Allez, là, vous allez voir ce que je vous parle. Là, lui, c'est pas un plaisantin. Il n'est pas là pour enfiler des perles, comme on dit. Allez, clac, 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 le coup d'hélicoptère, là. Tac, 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 hop, allez, boum. Tac, 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 hop. Et allez, boum. Là, vous voyez là, les petits coups de hache. Avec moi, il est perçu à la hache. On peut défroyer dans ta vie n'importe où. On peut défroyer de l'ennemi à la hache. Pour ça, si j'arrive à me choper le déloquoir sur PS4, je crois que vous allez me régaler, mais il y a longtemps, puisque vous rentrez, comment dire, bah, dans pas mal de gens, je vais faire sur la hache, et moi, ça a commencé avec son verre, hein, je ne dis pas depuis, dans Golden Axe, sur Mega Drive, là, il y avait de la, le petit nain, là, il avait de la, une hache à faire dans un jeu d'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo sur le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord, je crois que c'est le 360. Et pareil, le nain, là, il est dans le vache. Nous allons voir les garçons avec le vache dans le bus. Pareil, le bâtard avec le vache dans le pour la vendre du jeu, ça faut du roche. Ben Merlin, mais pas du roche. Ouais. Je pense que c'est dommage que dans le soleil, il n'y a pas de perso avec un Merlin. Pourtant, on n'entend rien. Ça fait mal, quoi. Je sais plus quelle personne. Oh, donc, quel jeu, si c'est bien de voir un jour, c'est un jeu. Alors, du coup, il y a ce moment-là, c'est un bon monsieur. Il y a le. C'est gentil. Il y a un perso qui est pareil, quand il y a un pervers aussi, il fait des bas, des pilotes, c'est-à-dire que les petits persos bouffent. T'as pas le droit d'atterrir, Hugo. Je suis pris dans ma tornade de hache. Je vais t'abattre tel un arbre. Tu te relèves et. Là tu me chopes tel un rugbyman et boum. Et tu t'en vas vers le cocieux. Boum. Finishing. Hop. Oh, on va prendre sa tollée. Ah, je vous l'ai dit, avec le gamin, ça rigole pas. Oh. Ah oui, c'est pas rigolo, ce gamin. Je sais pas s'il y en a... si qui a regardé cette vidéo, qui est votre perso favori dans le Dynasty Warriors, c'est compagnie. Dans le Dynasty Warriors, c'est mon favori. Oh, moi, ça me souvient où, là, de feu, je l'ai attrapé, là, et voilà. Un plus de... Putain, mais c'est eux qui font ça. Ah, comment ça me... Ça me souvient, là, ils sont tous là, à me faire du dégât. Allez, là, vous allez vous enrouler, les mecs, vous allez rien comprendre. Boum, terminé. On ramasse tout ça, l'autre, on va se le... Regardez. Là, vous voyez, je suis en couleur là, ça va. Voilà. Oh putain,
suite. Là, c'est un combat de poids lourd. Vous avez vu sa barre de vie. Hop, qui dégage à vitesse grand V. J'en fais qu'une seule bouchée de ce mec. Clac, 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 clac. Allez, hop, hop, hop. Devico, foufou. Clac, allez. On va t'abattre à la tronc d'air, mon gars. Oh, mais t'es déjà mort, allez, en bas de planche. Boum, hop, va te coucher. Va te coucher, crapé. Voilà. Ça en est fini. Voilà. Arme à finir dans le droit. Bim. Un truc de plus. Je crois que j'étais plus bien dans ce. Je vais taper par ici. Moi, c'est toujours bien de conquête pour tester les nouveaux persos. Du chaos. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que la plus des temps pour retour sur Dynasty Warriors 7 sur PlayStation 3. Peut-être qu'après je ferai Dynasty Warriors sur cette extrême urgence. On peut faire un sort. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour pas louper un vidéo soir, à vous abonner, un petit like, ça fait toujours plaisir et c'est important pour la chaîne, c'est sûr, je n'ai plus 400 abonnés passés, il y a un peu moins de 30, mais bon, c'est pas bien grave, le plaisir que vous amène, le plaisir de partager ma passion du jeu vidéo, et là, c'était pas des jeux musso. Enfin bref, bye bye.